Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc là, je joue en tant que 2Q contre un 4Q à 0,5 de commis. On a 20 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Normalement, je suis un petit peu avantagé parce que à deux pierres comme ça, deux niveaux de différence, normalement, justement, il commence avec deux pierres dès le début en D4 et en Q16. Donc là, c'est comme s'il n'y avait que une pierre d'handicap. Donc ouais, effectivement, je suis un petit peu avantagé. On va voir ce que ça donne. On n'est pas à l'abri d'une bonne perf de sa part aussi. Donc, il prend Oshikomoku. Je prends Komoku, et il approche directement en direction de sa pierre. C'est pas si mal. Par exemple, s'il y a cette séquence, tac, 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 je viens là, il vient ici. Si plus tard il peut rajouter une pierre par là, il est vraiment content. C'est pour ça qu'après cette séquence, il y a de fortes chances que j'approche en D15 ou en C15 d'ailleurs. Donc moi je vais prendre le coin, j'aime bien les points, comme d'habitude. De toute façon, ça c'est jamais vraiment un mauvais coup de faire P17. Et ici, 9 fois sur 10, il va jouer au 17, voire plus même. De temps en temps, on peut jouer, je pense encore, l'avalanche. Blanc doit descendre comme ça, noir revient ici. Je pense que c'est un peu meilleur si noir est dans cette direction, quelque part par là. Là, c'est peut-être pas approprié. Donc il pousse, on recule. Hein. Quand il y a un tsuke, très souvent on répond ané, donc à la tête de la pierre. Et quand il y a ané, on répond très souvent nobi. En direction très souvent d'ailleurs de notre pierre dead à côté. Donc ce joseki là est très naturel, on va dire. Ensuite, on s'étend pour pas être écrasé avec une pierre noire en R15. Et noir regarde son extension pour ses deux pierres. Et là, c'est l'ancienne règle. Certains disent que ça n'existe plus trop. Je crois que Mathieu Delisotti dit de plus trop prendre ça en compte. De compter les pierres. Une, deux, plus un. C'est la règle de N plus 1 qu'on faisait avant. Donc ça fait 3. 1, 2, 3. Et on pose notre pierre. En tout cas, là, il vient par là. Donc, s'il joue en D15 ou C15, voire C14, il commence à être assez content, puisque sa pierre en D17 regarderait dans cette direction et dans celle-là. Ça serait assez cool pour lui. Donc, soit on empêche ça, et en même temps, on a un Shimari. Soit on vient prendre le Sanzan, on fait notre propre Shimari, on peut approcher en F3 également, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On est assez plat partout, donc on va jouer en quatrième ligne, je pense. On va jouer en quatrième ligne. Et là, il y a de fortes chances qu'il fasse C15, mais il peut modifier un tout petit peu. Bon, il ne le joue pas. Ici, il pouvait jouer C15. Je protégeais. Il est là. C'est exactement pareil qu'ici. Hein. Et quand je protégeais, au lieu d'aller en F17, justement, il pouvait aller en E16 ou F16, être un peu plus gourmand, parce qu'il y avait une pierre dead en K16. Et moi, je prenais mon extension. Mais il le joue dans ce sens-là, très bien. Ce qui me laisse probablement aller dans le coin. Mais si je vais dans le coin tout de suite, ça a l'air compliqué, parce que, tac, 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 il peut peut-être me pousser ici. Je crois que dans cette séquence, quand l'adversaire fait ça, je crois que je dois pousser une fois d'abord ici. Il me semble que c'est ça. Je vous mettrai en description, mais il y a. J'ai vu il y a 2 mois, je crois. C'est dans une vidéo de Ankyodo, Go Inside sur YouTube. Elle parle de cette séquence, je crois. Je sais plus si c'est elle ou si c'est. Ah, j'ai oublié le nom de. Bon, je vous mettrai dans la description, dans les premières lignes, je vous mettrai la vidéo en question. Et dans la vidéo que j'avais vue, Noir répondait F16. Là, c'est pas très solide tout ça. Hein. Ça donne envie de couper. Avec des menaces de chichot à tout moment, et en même temps par là, c'est pas très solide. Est-ce qu'il faut que j'aille là d'abord? Blanc, noir, blanc. Si noir protège ici,
La coupe ne marche plus trop. Et si je coupe tout de suite, noir Atari, je descends, noir va là. Je peux aller ici. Si noir fait ça, tac, 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 je vais là. C'est compliqué. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si noir va là, je vais ici. C'est compliqué pour noir. Mais s'il va ici, je vais par là. Ouh là là là, c'est compliqué avec ça, j'ai l'impression. On va le tester. Ouais, on va le tester. Bien sûr, noir, il a pas trop envie de faire ça. Parce que quand il revient là, je vais là, même s'il peut couper ici. J'ai toujours le H17 de possible. J'ai toujours C17. C'est assez cata pour lui. Bon, bah il le fait quand même. On n'aura pas toutes les séquences compliquées où moi je disais ça. Tac, il descendait, j'allais là. Il faisait Atari, j'allais là. Après, il allait de ce côté, j'allais là. Mais il pouvait pas bloquer en H18 puisqu'il y a trop de points de coupe. Il doit reculer. Et on avance une fois, il bloque, j'ai 5 libertés. Et ici, il en a 4. Ok. Je pouvais aller là, tac, tac, tac. Ouais, ça aurait été compliqué, je sais pas. Je sais pas, je fais n'importe quoi, je pense. On va juste avancer une fois de plus. Et s'il avance? Non, d'accord. Il veut le combat. Parce que s'il avançait encore, bon, on prenait le chichot, effectivement. Il prenait le Bornor, mais on était content parce qu'il avait joué quand même E16 en quatrième ligne, du coup, et K16. Et finalement, il se retrouvait écrasé sur la troisième ligne, il faisait 2 points par 2 points, ce qui est quand même moins cool pour lui, sachant qu'il me restait même au 18 qui est assez gros. Donc là, il cherche le combat plus tôt, mais il pourrait ne rien faire sur le bord nord si je descends. Par contre, là, on s'embarque dans quelque chose de très compliqué. Le problème, c'est que si je sors ici, il règle déjà un problème en connectant et il a gagné. C'est un bon échange finalement. Parce que si je. Ah, pardon, vous avez toujours ça. Si je vais ici, qui va là, c'est comme si dans la partie, il avait été là et à la place de prendre la pierre, j'avais été ici et ensuite il pouvait sortir. Pourquoi j'aurais fait ça? Donc il n'a pas été en H17, il vaut mieux que j'y aille. Sinon, vraiment, l'échange est mauvais pour moi. Il a pris mon coup, je dois prendre le sien. Pro, il peut pas m'enfermer aisément, hein, s'il va... Transport. Les deux. Il va ici, je peux sortir tout simplement. S'il va ici, à Pro, on va pouvoir sortir avec des séquences comme ça, j'imagine. Et même chercher un peu la vie par là. Faut qu'il fasse attention à son coin aussi. Très bien, il joue là. On va venir ici, on le bloque. La question c'est est-ce que après je vais en K17, il peut aller là, je vais là, il vient ici. On peut perforer, j'imagine. Même juste monter en L16 en fait, nous derrière. Si je dis tac, tac, quand noir vient ici, si noir essaye de bloquer, on peut juste aller par là et ça fait quand même beaucoup de points de coupe pour noir. Ça va être impossible de prendre ces pierres-là. Parce que si ensuite il vient là, on peut monter, il vient là et on prend cette pierre. Donc on vient ici, mais en même temps, quand il recule en L16, pour protéger cette faiblesse, s'il allait là, bah on pouvait effectivement sortir tout simplement. Il vient ici, on protège, hein, solidement. Après, il faudra regarder un peu ces deux pierres, mais elles peuvent encore aller dans cette direction. Donc ça va, pour l'instant.
Ah, c'est pas évident. Les deux pierres de noir sont vraiment pas en bonne position. D'accord. Il essaye d'une manière assez fantaisiste d'enfermer tout ça. Effectivement, moi, là, il me bloque le chemin. Est-ce que j'ai assez d'espace pour vivre? Peut-être en jouant par là, mais il reste quand même des faiblesses, hein. Imaginons un coup là. Et que ça se referme un peu dans la zone finalement pour Noir. Plus tard, il y a cette faiblesse. Si on va là, il peut passer par au-dessous et. Et si on va là, peut-être qu'il pourra aller là plus tard. Donc il faut vraiment faire attention. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais bon. En vrai, il vaut mieux donner le plus de possibilités possibles en faisant ce coup dont on parlait juste avant. Et effectivement, il ne peut pas couper. Parce qu'on monte, ça menace capturer ces deux pierres en allant en J15. Et s'il protège d'une manière ou d'une autre. On peut revenir prendre la pierre. Tac, tac. On peut rien faire. Il fait année. Ok. Est-ce que ici on peut double année? Blanc, noir, blanc, noir. Et on peut faire ça. En seconde, j'étais non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que noir, blanc, noir. Si blanc s'amuse à faire ça, on descend, on vient là. Mais noir peut faire Atari et venir capturer les pierres. Mais en fait, non, ça va. Parce que quand il y a cette séquence, voilà, noir Atari, tac, et qu'on vient là. Quand noir vient ici, en fait, on vient là. Qui menace de faire marcher cette séquence en N16, mais en même temps de connecter. Et s'il vient par là, on vient là. S'il bloque, on a l'air pas trop mal. Peut-être qu'il faut que je fasse d'abord un Atari, ensuite cet Atari et aller là. Ah, est-ce que ça marche vraiment mon truc en fait? Je suis peut-être en train de ce rôle. Mais non, parce qu'il pourra bloquer en fait. Non, 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 il fallait pas que je fasse ça. Intéressant. Ouais, non, ça marche pas. Du coup, peut-être qu'il va falloir que je fasse un truc genre ça. Ça. Et ça. Oula, si je fais des mauvaises couleurs. Comme ça. Hop, et moi ici. Peut-être qu'il va falloir que j'essaye ça plutôt. Faire un séquille, quelque chose. Il faut que je lise un peu. Ou ça marche peut-être, tout simplement. Oui, celui-là ne marche pas. En fait, si je fais ça, il peut aller là. Et quand je protège, il coupe. Ça ne marche pas. Hein. Tac, 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 il peut sortir. Alors que si je fais ça, s'il l'empêche de passer, je peux prendre cette pierre. C'est pas grave. Donc ça a l'air de marcher un peu mieux. Faut juste que je vérifie noir, blanc, noir. Blanc capture et noir revient là.
Blanc. Noir. Peux pas reculer, sinon il capture la pierre. C'est pas évident, hein. Je suis en train de me demander si vraiment ça marche. Bon, mon erreur, c'était en tout cas le double nez. Vraiment pas du tout solide alors que je suis en train d'être attaqué. Je sais pas. Peut-être qu'il faut vraiment que je fasse cette séquence, hein. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Mais c'est vraiment moche, ça donne de mauvais adji, mauvais yossé ici. Ouais, là je me suis foiré. Ça a pas l'air de marcher à cause de ça. Noir peut faire ça. Si blanc recule, noir peut capturer. Mais en même temps, si... Je vous le fais. Tac, 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 tac. Et en même temps, si blanc capture, noir peut couvrir. Et effectivement, c'est du combat. Mais. Est-ce que j'ai vraiment envie de me plonger dans ça? C'est risqué. On va faire ça. Hein. C'est dommage parce que, alors, en fait, oui, on lui retire un peu le bord nord, mais en laissant beaucoup de. Bon yossé à noir, en lui lançant le Sente et en laissant une autre force finalement sur l'extérieur ici. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Hop, mais en plus ici c'est pas. On est. Bah, on est vivant, mais on est. Et c'est qui? Là, le Seki, il se situe comme ça. On revient là. On est ici. On revient là. On est ici. On revient là. Et on doit aller là. Et là, noir ne peut plus bouger, mais blanc ne pourra pas faire atari non plus. Donc c'est ni vivant ni mort. Bon, il faudra qu'il prenne cette pierre quand même. Oui, je suis peut-être pas goté, parce que c'est quand même intéressant pour noir de venir ici. Sinon, quand blanc vient là, c'est pénible quand même. Toute cette formation-là, celle-ci, et celle-ci peuvent d'un seul coup vraiment imploser, quoi. Parce que si blanc même joue un coup par là, ouais, faut qu'il fasse attention. Franchement, ça, c'est vraiment c'est un bon coup, hein, c'est un gros coup, c'est un coup nécessaire en tout cas. Effectivement, après, je viens pas. Ah, ici, j'imagine. Faut que je m'occupe de mes deux pierres ici, en fait. Bon, là, il est sûrement en train de lire ce qui se passe en haut. C'est vraiment vivant. Par contre, il gagne du bon yossé par là. Il gagne du bon yossé ici. Donc là, il est content. Et même. Il gagne vraiment une belle force dans cette direction en soi. C'est pas mal du tout. Et comme on n'a pas de commis, Noir est en avance dans cette partie. Ouais. Double année était un poil abusé. Ok. Il vient attaquer par ici. D'accord. Avant de faire ça, qui est quand même un très gros coup, hein, je vais m'occuper de ces deux pierres parce que là, il menace quand même de prendre.
Bah, tout ça, quoi. C'est pas mal. Donc, coin bord centre, on vient par ici. Quand il vient là, on recule. S'il va là, on peut aller là. Peut-être que je dois faire ça. Ah, ça marche pas. Et si je recule comme ça, qui vient ici, je vais là. Compliqué, hein, en fait. C'est vraiment compliqué, là. Je me suis embarqué dans une situation pénible. Tac. Noir, blanc. On reprend la pierre. Blanc. Noir, blanc. Noir. Blanc. Noir. Noir. Ouais, ça ne marche pas très bien. Et ici, qu'est-ce qu'il en est si je viens là? Il vient ici et je crosscut. Je pourrais sortir sûrement, mais bon. Je pense qu'en vrai, il a pas envie de me laisser sortir. Je pense que pour lui, ça peut être intéressant, tac, tac, de monter ici. Parce que si je viens là, tac, tac, qu'il fait atterri, je peux faire contre-atterri, sortir, et là, ça devient vraiment urgent de faire ça. Parce que si blanc est là, on voit clairement que pour ces formations au centre, c'est pas, ça va pas être facile. Après, il a aussi la solution de reculer comme ça. Ça fait jouable. Mais oui, ici je regardais, en fait ça ne marche pas très bien. Tac, tac, tac. Quand il vient là, quand je viens là, il vient ici. Atari. Il capture ou descend, hein, peu importe. Tac. Je viens ici, il protège. Mais en fait, il y a un problème. Il a 4 libertés, moi 3. Même si je peux faire ça, il vient là. Et je fais quoi? Je fais pas grand-chose en fait. Donc c'est compliqué. Vaut mieux laisser la G pour plus tard. Et si je recule, il vient ici. Et là, il n'y a rien non plus. Protège ici. Si je coupe. Si je coupe, oui, si je fais l'inverse. Il peut revenir là. Et encore une fois, 3 contre 2. Donc ça marche pas. Et comme il a un coup en B18, ma base de vie est vraiment menacée à gauche. Donc ouais, je préfère pas jouer par là, je préfère aller dans l'autre sens. Voir comment il réagit. Pour voir si à la place je rajoute ce coup-là plutôt. Ça peut être intéressant. Par exemple, s'il vient là, que je viens là, il vient là, je peux descendre ici et voilà, j'ai ma base de vie. Et ça menace quand même un coup par là, après. Ok. On va crosscut. Il recule, très bien. Ouais, ça lui donne de la force, tout ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ici, mais en même temps, oui. Surface Atari qui fait contre Atari, on est content de prendre un Ponuki.
Donc si je fais ça tous les jours, il sort. Ce serait trop fort de prendre ce Punuki. Donc si je dis ça, s'il fait ça et qu'on capture, et qu'effectivement il coupe ici, il nous reste du bon Yossé, et en plus on a un Punuki, on aura capturé C12. Blanc serait beaucoup trop content. Donc quand on fait ça, noir tous les jours sort. Et là on peut reculer, quoi. C'est pas incroyable. Mais c'est sûrement ce qu'on va faire. Pour ne pas mourir. Ah, on a du mal sur cette partie, hein. On a vraiment du mal. On souffre. Ouais. Le C14 serait vraiment une erreur de la part de Noir. Tac, on capture. Même s'il peut faire Statari en soi, on protège. Mais ça a l'air un peu dangereux pour lui. On va voir ce que ça donne, hein, mais moi je trouve pas que ce soit la meilleure séquence pour lui. Peut encore menacer, voilà. On menace encore de relier nos pierres ici. Tellement douloureux. Du coup, il bloque comme ça, très bien. Il nous restera toujours ça, potentiellement. Non, ça, tout simplement. Parce que ça ne marche pas. Tac, il fait Atari. Je protège. Et il revient. Tac, Atari. Voilà. Blanc, tac. Non, rien de spécial. Donc autant venir là tout de suite. C'est dur d'imaginer l'Ilaji par là, donc autant menacer tout de suite de revenir sauver nos pierres. En vrai, on le surconcentre un peu. On est vivant, on est sur l'extérieur. C'est ça qui n'est pas intéressant pour lui. C'est qu'on finalement, ce Punuki, il regarde vers l'extérieur. Ça nous arrange un peu quand même. Parce qu'il avait vraiment des murs très intéressants. Donc là, on est content, je pense. Surtout, on est senté. On peut aller par là. On peut aller par ici. En vrai, là, la partie, ça redevient OK, je pense. Maintenant, à voir si je dois jouer par là. Par là. Par là. Ici. Tous ces coups-là, j'imagine que c'est envisageable. Bon, celui-là, peut-être un peu moins, puisque J14 se joue s'il y a M14, j'imagine. Ouais, M14 est gros, je pense, mais c'est encore du combat, quoi. M14, tac, bah, il peut sortir. Et c'est quoi, je sors, et finalement, si sa position à gauche était séparée, s'il y avait une séparation ici, pourquoi pas? Mais là, il est ultra vivant à gauche, il a que à regarder son groupe ici. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que là, F3 est bien plus gros. On va faire ça. Et s'il vient prendre cette pierre, bon déjà il restera toujours de la G, hein. Mais en plus, voilà, ça me donne un deuxième coup par là, ou par là. Oh. On serait assez content. Donc il ne va pas faire ça. Il défend de ce côté, ok. Je pensais qu'il passerait parce que sur le bord gauche, c'est il n'y a pas grand-chose à jouer. Qu'est-ce que je joue maintenant? J'ai plusieurs solutions encore, hein. Je peux aller par là, par ici, par là. Très souvent quand même, quand on menace de faire Kobayashi, donc quand Blanc joue là, qui menace de jouer ici, hein, pour développer rapidement sur le bord sud, c'est souvent en début de partie. Hein. Il y a eu les quatre premiers coups, Blanc approche. Noir vient là, très souvent, pour empêcher des développements trop rapides. Parce que là, ce que ça menace, c'est je vais là, et effectivement, Noir vient ici, mais comme il y a déjà une pierre de ce côté, on va pouvoir développer le bord sud assez facilement. En vrai, toute cette direction, il n'y a pas grand-chose à jouer encore. Donc ça donne envie de jouer Moyo. Hein. On va venir là.
En plus, on prend un peu de force sur le centre. Petit à petit, on augmente la valeur de ce coup. Il approche de ce côté. Très bien, on vient là. Là, il me faut des points. Parce qu'il a un peu de cash quand même en haut à droite. Donc, il me faut des points. Et effectivement, là, si on joue encore, c'est vraiment le jeu, c'est qu'il appartient. Si on joue encore ça, bah là, maintenant, ça me donne envie de venir là ou là, quoi. En P4 ou en O4. On protège. Il protège. Peut-être qu'il réfléchit à Q7, je ne sais pas. Je sais pas trop à quoi il réfléchit là. Ok. Et on va venir par là. Donc là, on menace quand même de prendre une belle zone dans le sud. Ça peut être intéressant. Et en même temps, il doit rajouter un coup pour le moment. Ouais. Ici, ça, ça va devenir pas mal aussi. Voire même là, tout de suite. Par exemple, si je joue là, il m'empêche de partir. Enfin, c'est pas grave. Avec sa couleur. On saute, il m'empêche de partir, et là, on vient là. Ça joue assez naturellement avec notre pierre en R14. Donc c'est pas mal. On va faire ça. On va poser des questions. Et encore une fois, chercher un peu de cash, quoi. Il peut aussi réagir en jouant comme ça. Et là, on viendrait ici. On viendrait là. On viendrait ici. Avec toujours la menace de la coupe en Q8, quoi. Mais c'est pas ce qu'il choisit. Ok. Il vient ici, je saute. Il bloque. Normalement, c'est en P8. Hein. Normalement, en P8. Si... ces séquences-là, si je descends, il vient là, Atari, et il peut pas faire grand-chose en soi. Que là, il n'y a pas de connexion possible. S'il vient là, on vient là. C'est pas... tac, tac. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait. Sauf que quand il protège, on peut revenir là, et effectivement, il peut prendre cette pierre, mais on lui donne la pierre en quelque sorte, et c'est complètement coupé. Et finalement, sa pierre en Q10 c'est complètement séparé, quoi. Il est vivant, hein, mais il perd beaucoup, quoi. Il perd beaucoup de potentiel, quand même. Attention à ne pas, quand il vient là, connecter de ce côté, parce que là, quand il coupe... Là, c'est nous qui sommes en difficulté. On peut reculer ici. Il vient là. Ça peut être intéressant aussi, en soi, hein, mais... Je sais pas. Est-ce qu'on veut donner la vie tout de suite ou pas? C'est ça aussi. Avec ça, il est vivant tout de suite. On connecte là, mais on prend pas mal de force sur l'extérieur. Ce qui est quand même très intéressant en vue de jouer M14, quand même. On va pas se cacher que ça... On voit clairement que là, il se dirige juste... dans la zone blanche, quoi. Il saute, on vient là, et il commence à être pas mal enfermé. Alors qu'avec l'autre séquence, 10, tac, 9, tac, tac, 8, on fait nos points un peu 7, plus sûrs. 6, et lui, 5, il doit rajouter un coup, sinon 4, je sors. 3, mais 2, il n'est pas encore vivant 100%. Ça, ça peut être un faux œil, la pierre en Q8. Après, il peut venir choper un œil ici, assez rapidement. Donc là, on fait un deuxième sur l'extérieur, c'est pas impossible. Et ma sortie ici apporte un peu moins. Avec ça. Là, on voit qu'il va se connecter plus facilement, quoi. Et finalement, c'est mes pierres que je devrais 10, surveiller au centre. 9, donc c'est 8, plus intéressant quand même de 7, connecter sur l'extérieur 6, et de dire 5, une leçon de base. 4, de toute façon,
Ah, quand tu 3, peux séparer les pierres 2, adverses, tu le fais. 1. Il me reste plus que 4 périodes d'ailleurs, j'ai pas mis le casque, j'ai pas le son, donc il faut que je fasse attention à ça. En vrai, aussi, un autre indice, c'est quitte à laisser vivre l'adversaire, on aime bien l'enfermer. D'ailleurs, c'est très désagréable de se faire enfermer, parce que nos pierres sont vivantes, par exemple ici, mes pierres sont vivantes, hein. Mais c'est hyper désagréable. Pourquoi? Parce que mes pierres n'ont plus aucun effet sur le reste du Goban, quasiment. Bon, c'est pas complètement vrai, parce qu'elle y a une. Ça c'est pas ici, mais elles n'auront plus trop d'influence sur ce qui se passera en combat et tout. C'est. Alors que si on a une sortie, comme ici, on peut influencer la situation. Et là on voit que ça influence énormément. Quand il sort en O14, on peut venir enfermer petit à petit. Et là, bien sûr, il veut rajouter un coup, hein, parce que s'il joue pas ça, il a aucun œil pour le moment. Là, il faut faire quelque chose pour ce groupe. Donc oui, l'erreur, c'était clairement R8, où il fallait plutôt venir ici. Il prenait l'influence, je prenais du territoire. Et en soi, à partir du moment où il a joué Q10, il disait, je prends de l'influence, c'est quatrième ligne. Bon, il a encore pas mal de temps, il lui reste 4 minutes dans le temps principal, lui. Ok. Il prend cette pierre. Ok, donc il va vivre. Et nous, on prend l'influence. Il capture et on protège. On peut descendre ici. Ça, c'est une solution pour dire, regarde, tu n'as qu'un nez. Maintenant, cours. Parce que là, lui, la meilleure solution, maintenant, je pense, c'est de venir ici. Et là, je ne suis pas très fan de son coup. Pourquoi? Parce que j'ai ça. J'ai ça, de potentiel. Ça, du coup, la position ici n'est pas encore. Bon, elle est quand même tranquille, hein, mais elle est pas encore vivante, elle a qu'un œil dessus. Dix, Quand je vais là, neuf, il n'y a que huit, S8. sept, six, On va d'abord cinq, quatre, séparer tout ça. Hop, trois. on va jouer ça. Il n'y a qu'un œil dessus. Et là, il fait une position, une deuxième et potentiellement une troisième. Ça, c'est dangereux. On va venir séparer ici. Et là maintenant ça devient urgent. S'il joue pas S5, il est mort. J'ai l'impression. Et quand il joue S5, c'est quasiment goté parce que il vient en S5. Tac. Et là, il faut qu'il rajoute un coup. Parce que s'il le rajoute pas, plus tard je peux venir ici. Et il y a un ko, certes. Mais bon, c'est un pique-nique ko. Ou un amico, on dit, pour blanc en fait. Il a rien à perdre et noir a tout à perdre. Comment est-ce qu'on protège ça? Comme ça, tac, ou comme ça? Blanc, noir, Dix, blanc. neuf, huit, sept, six. Ça a l'air intéressant de faire ça. Bon, c'est moche, hein, mais ça a l'air pas trop mal. Parce que si noir monte, qu'on vient là, et que noir s'amuse à partir, on peut tuer. Prouver dans le coin, il y aura plus de liberté que son groupe. Et même s'il force en soi, pardon, tac, nous on sort juste. Donc il n'y a pas grand-chose. On coupe. Et oui, il faut vivre. Il faut vivre. Il faut rajouter un coup encore. Peut-être que ça, c'est très bien aussi. Il veut jouer le ko. On joue le ko. Faut pas avoir peur de ça. Même s'il a des menaces directes, hein, il peut menacer de sortir. Mais il faut pas avoir peur de ça, franchement. C'est très gros, quoi. Si blanc s'empare de ça, c'est immense. Il me reste en plus ça. Cette position n'est pas encore vivante. Au sud, non plus. Pardon? J'ai loupé quelque chose par rapport à la coupe? Noir, blanc, noir. Comme j'ai cette liberté, en fait, j'ai pas trop peur pour P7. Noir, blanc, noir.
blanc, noir, et je connecte. 10. Et dans le coin, j'ai plus de liberté. Ouais, là, c'est dur quand même. Là, je sais pas trop ce qu'il fait. Surtout qu'en forçant ça, il perd une liberté. Il y a assez peu de liberté dans tout ça. Parce que, imaginons, ils viennent là. Tac, 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 tac. Après, il fait quoi? Il sait de venir par là. On vient ici, il protège. Là, on vit. Donc non, c'est pas possible. Ces trois coups-là. Tac. À la place de Q2, il devrait venir à l'intérieur. C'est compliqué, hein. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Il faut qu'il trouve un coup à l'intérieur qui soit intéressant. Par exemple ça. Sauf qu'on a cette descente. Qui est très dangereuse parce que ça menace ça. Vraiment, c'est compliqué pour lui. Bon, il tente quand même. Et en plus, très rapidement, on a ce genre de coup qui menace d'aller en T7 et il a plus aucun œil. Donc il doit rajouter un coup, mais on peut venir là. Pas beaucoup de liberté ici. Il fait tous les coups forçants. Nous, on connecte. Et maintenant, dans le coin. Q2, ça ne marche pas très bien. S3, ça ne marche pas très bien. Mais en même temps, un autre coup, il ne retire pas de liberté. Par exemple, R2. D'accord, il protège d'abord ça. Dans ce cas-là, on va... Donc, il faut que je surveille ici. Est-ce que j'ai pas un problème? S'il vient là, on va aller ici. On ne peut pas bloquer, hein. Atari, tac, et on sort. Donc ici, il n'y a pas de problème. Soit je viens comme ça. 9. Il vient ici. 7. Ouais. 6. Je pense que je vais juste 5, rajouter un coup tout de suite. 4. Dire, j'ai deux yeux. Il n'y a plus de soucis. Dans le coin, il n'y a plus de soucis, il y a deux yeux. J'ai un œil ici et un œil là, assez visible en fait. Maintenant, s'il capture ça ou ça, il peut sauver ses pierres, mais c'est quand même compliqué. Parce que comme je disais, pour bloquer ses pierres, il faudrait jouer, je sais pas, par là. J'avance, il est là-bas, là. Je vais là, tac, on sort. Et celle-ci, s'il joue un coup par ici, on peut fuir par là. S'il joue un coup par là, on peut fuir par ici. Donc il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Je peux imaginer attaquer les pierres par là, j'imagine. Attention, il y a encore ça. Il est rentré dans le BOMI avec moi, en tout cas. Si jusqu'ici vous appréciez le commentaire et la partie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça serait sympa de votre part. Merci beaucoup. Alors, ouais, vraiment, il faut qu'il évite ce genre de coup. Il saute, je saute, il saute, je saute. C'est pas forcément évident par rapport au combat ici, mais si j'ai une pierre ou deux de plus dans la zone, ça va vraiment devenir urgent. De toute façon, c'est urgent depuis un moment. Hein. Je pense que là, l'IA, elle va dire pendant un bon moment qu'on a des erreurs tous les deux. Parce que peut-être que même moi, je devais jouer ça largement plus tôt. J'imagine le moment où ça pourrait dire que c'est une erreur de ma part, c'est M14 à la place de F3. C'est possible. C'est dur de donner la valeur de ça. Mais l'IA, si, elle peut savoir. Par contre, plus que deux périodes. Attention. J'espère qu'il n'a pas abandonné aussi mes parties. Ouais, je pense que là, il laisse couler. Bon, c'est la fin de partie, du coup. Il laisse couler.
On va se retrouver à... Enfin, peut-être qu'il va jouer, hein, mais on va se retrouver sur... Je vous retrouve dans 2 secondes, du coup. Moi, je vais aller sur Ali Sensei pour qu'on regarde un peu ça ensemble. Après, il va peut-être jouer dans les 5 secondes là, mais... Ça m'étonnerait. Ouais. Vous avez gagné. Merci pour la partie. Ouais, mais on était bien avance ici, là, c'est vrai. On a quand même galéré. On a galéré à fond. Bon, allez, on se retrouve dans 2 secondes. Voilà. Alors, comme on voit... Bon, au début, c'est normal, hein, il y a 0,5 de commis, donc noir est avantagé. Et au début, les premiers coups, bon voilà, on rattrape, on rééquilibre la partie a priori. Mais on a fait, on le sentait, hein, on a fait quelques erreurs dans cette position nord-nord-ouest. Et du coup, il était revenu à ses 5 points, 8 points, j'imagine, quand je vois la barre de 10. Ouais, 5-8 points d'avance. Et après, c'est bon, c'est reparti dans l'autre sens, une fois qu'il n'a pas tué, je pense, surtout. Ouais, ok. Et à la fin, on est bien, on est 20 points en avance, 15-20 points en avance. Ok. Donc, ça joue comme ça. Tac, tac, tac. J'ai mis rigueur Zidane. On verra. Donc, on s'empare du coin. Ça, il n'y a rien de particulier. Et là, il vient ici. Ok. Donc là, on va voir comment j'aurais dû répondre. Je crois vraiment que c'est E15. Ouais, voilà. Il faut pousser d'abord une fois. Et il peut faire un dé. Ok. Moi, je croyais que c'était ça. Mais il peut faire un nez. Et après, je dois aller dans le coin, peut-être, tout de suite. Ouais, c'est ça. Je dois pas... Ça, c'est vraiment de la gourmandise. Il faut que j'aille dans le coin, d'abord. Et c'est pas grave, parce que moi, je disais tac, 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 oui, mais il peut aller là. Et alors, c'est pas grave. Tu t'étends, t'es content. Oui, tu pousses une fois et tu t'étends. En soi, oui, il y a des points sur le nord, mais à un moment, t'auras ça. Voilà, il n'y a pas tant que ça, en soi. Nous, on se développe de ce côté. On est content. Un peu gourmand ici. C'est pas une très grosse erreur, hein. Un point de perte, donc ça peut se jouer après, oui. On va pas forcément tout perdre. Mais il faut être sûr de la suite, quoi. Sachant qu'il fait une erreur plus grosse juste après. Je vais juste regarder ce qui se passait avec ça. Donc on sort, bien sûr. Tac. Ok, moi j'imaginais le coup en diagonale. Il faut descendre. Il protège. On va là. Tac. C'est assez compliqué. Surtout pour jouer de la G sur ses pierres, j'imagine. Ouais. C'est trop compliqué pour nous, je pense. Il vaut mieux qu'on joue plus simple. Et du coup, ça donne un peu la même chose. Ok. Donc lui, il préconise d'aller là. Et c'est du combat dans le coin. Et en même temps, c'est ce qu'on voulait. Mais bon, il pousse de ce côté. On sort. Tac. On sort. Il sort. Et donc, on descend. Ok. Et là, il y a la première grosse erreur de la partie. Il me renforce énormément dans cette position. Et ça, on est content. Franchement, quand il joue ça, on est très content parce qu'on a juste à protéger et à revenir. Ok, il fallait sauter, pourquoi pas. Encore une fois, cette notion de ne pas se laisser enfermer. Là, je ne l'ai pas trop respecté. Si je sors et qu'il coupe, la position extérieure est quand même en ma faveur. Ok. Bon, c'est pas une grosse erreur, mais bon, quand même. Et ensuite, il vient là, il me renforce, il retire ce coup-là, pourquoi pas, mais plus tard, en fait. Là, et maintenant, voilà, je me dis, ok, j'ai plus ça à surveiller, c'est bon, je peux regarder ailleurs. Il enferme, et moi, je sors. Et là, je pense que j'ai... Non, c'est pas encore ma première grosse erreur, ok. Mais il faut quand même que j'aille faire Nobi, plutôt. Là, c'est un peu gourmand, mais il faut avoir tout lu, et je n'ai pas tout lu. Il connecte. Voilà, il faut... C'est ça, en fait. Il y avait quelque chose. Moi, je regardais ce coup-là et tout, j'ai l'impression que rien marchait. Il y avait quelque chose. Mais il faut le trouver, quoi. C'est super chaud. J'imagine, c'est tac, tac, tac. Capture, on peut aller là. Ok, c'est faire des combos. Tac, tac. Et venir par là. Comme ça le force à aller là, parce qu'il peut pas aller ici, hein, sinon on fait snapback. Il fait ça, il y a snapback. Tac, tac. Donc effectivement, ici, il est obligé d'aller là. Sauf que maintenant, quand il va là, ça marche. Ouais, ok. Tout ça pour ça, hein, mais pour pouvoir avoir un coup de plus ici. Ok. Ok, ok. Donc nous, on joue ça. Il vient ici. Et il faut qu'on sorte, il faut qu'on crée du combat, quoi. Ouais, je vois. Parce que comme il y a des situations qui peuvent fonctionner par ici, on peut sortir d'abord. Il ne pourra pas aller là parce qu'il y a des situations qui marchent. Donc il va régler son problème d'une manière ou d'une autre.
Et ensuite, pourquoi pas faire cette séquence. La différence, c'est qu'on a déjà rajouté ce coup en M14. Donc c'est intéressant. Parce que quand on vient là et qu'il vient ici, qu'est-ce qu'il rajouterait? J'imagine le même coup, hein. Oui. Tac. 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 Et là, il a un problème à gauche et au centre. Et nous, finalement, ici, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Et si on capture ça ou ça, c'est bon pour ce groupe. Donc ouais, c'est pas mal. Ok. Question de priorité. Pas d'ordre des coups. Et voilà, encore la même erreur. Du coup, ouais, ces deux erreurs sont liées. Hein, il faut d'abord rajouter ça. Et là, noir doit venir ici. Et blanc doit venir ici. Voilà, ça, on avait parlé. Hein. Toutes les erreurs ici, c'est lié à ce coup en M14. Je viens là. Je recule. Là, on tricote tous les deux, en fait. Ouais, ça, c'est une très, très grosse erreur, je pense. Ici, il faut sortir sa pierre. Tac. Là. Attends, non, tac, pardon. Au prochain coup, quand je viens là, il faut qu'il sorte sa pierre, voilà. Et je recule, et c'est beaucoup plus agréable d'enfermer que l'inverse. De toute façon, en fait, voilà, vraiment, toute cette situation, moi je dois pas jouer là, lui il doit pas répondre, nous deux on doit y aller ici, c'est trop gros de jouer tout ça. Ok. Donc là on joue tout ça, et ça par contre c'est le coup de trop, c'est du IOC. C'est du IOC. Et là, encore une fois, voilà. C'est pas une grosse erreur d'aller ici, hein, moins 1,6, mais le M14 est plus gros. Ok. Il répond. En fait, c'est un peu toutes les erreurs de la partie, c'est ça. On vient ici, il vient par là, tac. Maintenant, localement, il faut répondre. Hein. Tac, tac. Et moi, il faut encore que je vienne là. Ok. Il faut vraiment créer ces problèmes, quoi. Tac, tac, tac. Bon, là, il faut que je connecte, hein, bien sûr. Hop. Et ici, encore une fois, il faut couper. Ok. Même là, il faut couper. En fait, je crois que toutes mes erreurs de la partie, c'est ça. Et une ici. Je vais la re-regarder. Mais sinon, tous les erreurs, c'est ça. Sinon, mes coups étaient... Ok. Ouais, non, oui. Bah, encore une fois, il faut couper. Ici, je risque pas grand-chose. Ah, c'est fou, hein, vraiment ça. Je pensais pas que c'était aussi gros. Mais en fait, si, oui. C'est quand même quasiment un quart de goben, en fait. Quand je viens là, on menace quand même tout ça, quoi. C'est beaucoup. Mais bon, après, ça suffit, hein, mais. Ouais, je sais pas. Ici, il devait aller là. Je viens ici, il protège. On vient vivre. Donc, il abandonne ses pierres. Et en fait, c'est au moins pour gagner l'appui pour pouvoir aller vivre, quoi. C'est douloureux. Ok, bon voilà. C'est surtout à gauche, ici, cette situation. Quand il vient là, que je cross-cut. Qu'il vient ici, il fallait que je fasse sa taille de ce côté. Ok. Ça, j'avais lu, mais j'avais l'impression que c'était pas très bon par rapport à ça, où je venais là et qu'il faisait ça, tac, tac, tac. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses à jouer. Si noir veut aller là vraiment, faut que je sorte. Ok. Non, peut-être qu'il va me remonter la même séquence. Tac. Tac. Chez chaud ne marche pas pour lui. Si, le chez chaud marche pour lui. Donc il doit pousser une fois d'abord ici. Tac, tac. Et blanc sort et laisse ça en adjig. Ok. Donc tout ça c'est jouable, mais c'est encore une fois. Du gros combat, parce qu'un jour il doit revenir là, et c'est dans le fait d'attaquer tout ça. Et voilà, on enclenche ça, et toutes ces pierres-là servent d'adji pour capturer ça, mais en même temps, la montée ici sert à menacer de capturer ça. Ok, c'est vraiment compliqué, encore une fois, comme partie. Ok. De toute manière, moi, mon erreur est de jouer avec ça, en fait. Il vaut mieux laisser en adji, et peut-être qu'un jour je pourrais venir par là même, ça peut être pas mal. Mais il faut laisser ça. Ok, bon bah ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la partie vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement tout ça, et
N'hésitez pas à cliquer sur les quelques vidéos. En général, je mets la playlist qui correspond à la partie, donc la OGS, et une vidéo, c'est du cas par cas pour chacun d'entre vous, parce que je mets les vidéos suggérées pour vous, donc une que vous n'auriez pas vue sûrement, ou bon, il y a longtemps, je sais pas. Et voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine, et on se retrouve dimanche, je pense. Salut!